J'accueille la pop star du moment. Il va nous jouer un morceau live sur ce plateau et je vois que certaines sont déjà tout à fait affolées à cette simple idée. Ed Sheeran, oui, Ed Sheeran, on l'a découvert avec ce morceau-là. On se calme, s'il vous plaît. On se calme un instant. Mathilde, je vous sens aussi en pleine ébullition. Allez-y, oui, lâchez-vous. Ed est si précoce, vous savez. Ed est si précoce. Premier concert à 11 ans, premier disque à 14 ans, premier carton dans les charts à 19 ans. Repéré par Jamie Foxx, adoubé par Elton John. Aujourd'hui, vous avez 23 ans, vous êtes l'artiste le plus streamé au monde. Votre album Multiply s'est classé numéro 1 dans 83 pays et votre tube Thinking Out Loud est chanté sous toutes les douches. Bravo, ça va? Vous vivez ça bien? Good, yeah, Phil. Ça va bien, ça va très bien, mais c'est vrai que c'est un peu insensé parce qu'en fait le premier disque... Parce que le premier disque, en fait, a donné le ton et maintenant le deuxième a ouvert beaucoup de portes, évidemment. Donc, je suis vraiment très content d'être ici en France et de vous rencontrer et de faire la musique qui me plaît. Ce que je comprends pas, c'est... Attendez. Pourquoi à chaque fois que vous vous retournez, elles sont déchaînées alors que moi, si je fais ça... Ah, elles sont là. Pourquoi? I don't know, maybe... Aucune idée? Je voudrais juste savoir comment va réagir ce plateau si je dis que maintenant vous allez nous faire un morceau, le fameux morceau. Je vous propose